Les tunnels bruxellois plus que jamais au cœur des débats. Et ce matin, beaucoup attendent les explications de cette ancienne ministre. Aviez-vous connaissance de ce rapport de Bruxelles Mobilité de 2013? Je vais en parler tout de suite, on va avoir tout un débat. Hein. Vous aviez connaissance de ce master plan? Mais évidemment, c'est un plan très important, mais je vais en parler. Un rapport de Bruxelles Mobilité qui conclut à la vétusté des tunnels bruxellois. 5 au moins, selon cette étude, présenteraient des risques pour la sécurité. À l'époque, la ministre bruxelloise des Travaux publics, c'est la CDNV Brigitte Brouwels. Alors question, le rapport a-t-il été transmis aux autres membres de la majorité? Selon eux, la réponse est non. Moi, j'ai entendu, comme vous, dans la presse, qu'il y avait eu un rapport comme cela, mais ça n'a jamais été discuté pendant les conseils de ministres, selon mes souvenirs. Je suis formelle sur le rapport dont on parle aujourd'hui, rapport de 2013. Non, nous ne l'avons pas reçu sur le rapport global, je parle bien. Ce plan n'a jamais été, en tant que tel, approuvé par le gouvernement. Ça, c'est une évidence. On a vérifié tous les ordres du jour. Effectivement, ça ne figure pas. Les explications de Brigitte Brouwels devant le Parlement sont évidemment très attendues. En attendant, du côté du MR, on se dit consterné. Où il y a mensonge, où il y a dysfonctionnement. Dans un cas comme dans l'autre, là aussi, il faudra pouvoir faire toute la clarté. Il est absolument inimaginable que des informations aussi fondamentales ne remontent pas aux membres du gouvernement. Raison de plus pour le mouvement réformateur pour réclamer une commission d'enquête.